Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica. 17 morts et d'énormes dégâts matériels, c'est le bilan provisoire des précipitations qui ont eu lieu la nuit de vendredi à samedi à Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. À Kinshasa, pendant ce temps, la rivière Njili a retrouvé son lit. Des familles entières regagnent leur habitation de fortune. Dans ce journal, nous allons nous rendre au quartier dit Tchad, dans la commune des Matete. Invité du journal, Antoine Hiverneau. Il est attaché audiovisuel régional pour l'Afrique centrale à l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Bonsoir Antoine. Bonsoir Zaina. Avec vous, nous allons commenter l'actualité beaucoup plus la technologie numérique terrestre. Très volontiers. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout d'abord, cette nouvelle. Le gouvernement congolais a fait connaître son mécontentement à l'égard du Sénégal. Une quarantaine des Congolais membres des mouvements citoyens, de l'opposition et de la société civile a en effet choisi Dakar pour se réunir du 12 au 15 décembre et discuter des moyens d'obtenir le respect de la Constitution et l'alternance en 2016. Nous sommes choqués que le Sénégal, pays frère et ami, accueille une réunion où l'on planifie des manifestations des rues au Congo, s'est indigné Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, dans une revue africaine. Kikaya Bin Karoubi a promis une protestation officielle à adresser au Sénégal dans les jours qui viennent. Je vous le disais à l'ouverture, 17 morts ont été enregistrés après la pluie qui s'est abattue la nuit dernière sur la ville de Bukavu au sud Kivu. Les autorités locales qui ont livré ce chiffre parlent d'un bilan encore provisoire. Les victimes ont été enregistrées dans trois quartiers de la ville où une dizaine de véhicules ont été emportés par les eaux de pluie et plusieurs maisons inondées. La commune Ibanda est la plus touchée. 13 personnes ont perdu la vie. On s'évélit sous la terre après un éboulement dans cette partie du pays. Et une autre est morte par électrocution. Le trafic sur la route Bukavu-Vira est interrompu. Les autres pluies ont coupé cette route au niveau de la paroisse des Tchaï, bloquant ainsi ou par conséquent le trafic. Pendant ce temps, à Kinshasa, après deux semaines de la terrible crue qui a causé d'importants dégâts matériels et humains à travers plusieurs quartiers de la commune des Matete, la rivière Njili a regagné son lit. Déjà, des familles entières regagnent également leur habitation de fortune, comme au quartier d'Itchad, malgré le sol encore gorgé d'eau et une insalubrité sans précédent. Mouino Oufel et Jean-Claude Baudet. Certains habitent ce terrain marécageux depuis une dizaine d'années, souvent dans des conditions plus que précaires. Répondre ainsi à l'appel de l'autorité urbaine qui les invite à différer leur retour est suicidaire, ne sachant où aller. Alors ils développent des réflexes de survie, même s'il faut cohabiter avec des tonnes d'immondices accumulées par la force des eaux. Je suis arrivé ici en 1989, mais la rue était bonne. Alors il y a eu un problème ici, que les gens ont commencé à chercher les immondices, pas pour mettre là où vous voyez ici, c'était pour mettre là où il y a les eaux qui nous tourmentent et qui sortent là-bas. Bon, ayant eu les difficultés pour que les camions puissent descendre jusqu'en bas, ils ont préféré de commencer à jeter ici pour tirer ça jusqu'en bas. Alors c'était devenu impraticable, impossible. Et ceux-là qui dirigeaient ces travaux, non, je leur ai dit de ne pas mettre comme ça parce que les parcelles seront remplies d'eau. Si vous avez un peu de voir ici dans les parcelles, même de l'eau de pluie n'arrive même pas à sortir. Donc ça peut créer une épidémie là où nous sommes. Alors nous avons fait des démarches beaucoup pour que le tracteur puisse venir un peu remballer ces histoires, les amener là, vous voyez là-bas, là où c'est là où ils ont besoin des immondices. Nous ici, on passe difficilement. Bon, les gens croyant bien faire, ils se sont mis dans un problème. Mais maintenant, nous avons quand même l'État dans ce pays. C'est, nous demandons maintenant à l'État, à l'hôtel de ville, de nous aider, de nous envoyer un tracteur, de venir les faire emballer ces histoires ici et de faire descendre jusqu'en bas là-bas. Oui. Des torrents de boue forment avec des matières plastiques une barrière d'accès, sans compter les eaux stagnantes encore présentes. Toutes les conditions sont réunies ici pour l'apparition d'épidémies.
On change de chapitre, spéciale journée femmes au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani, a procédé à la remise des cartes biométriques aux femmes cadres et militantes du parti. La cérémonie a eu lieu au siège de cette formation politique à Gombe. Félix Ilunga et Luc Yungu. Elles étaient nombreuses, les femmes cadres et militantes du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Parmi elles, il y avait celles venues pour réitérer leur soutien au sein du parti et celles venues pour la première fois signer leurs actes d'adhésion. Séance tenante, le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani, a procédé à la remise des cartes biométriques aux nouveaux membres, symboles de leur attachement. PPRD viva! PPRD viva! Quand il y a l'élection, il y a comme une amoie de Kakatano. Pourtant, il y a Tigali, il y a comme une poussée, et il y a aussi les aides. Il est possible que. Bah, oyo, tokanaki, et ça, le mandengue, tokanaki, a voté. Vous comprenez, Ngaï? Et que c'est un gâteau solo là. Pour oyo, et goyasima, et zala. Consentement mutuel. Donc, de Yokana, la Baya et Moussou Souassa Pembeni, que Oyo Torosa la Banda, le mois prochain, à Bama Otigali, Ezala, Oyo Toro Yokana Namo. Ton lobby Banda to Banda, élection Nambo Kanabiso, et Botaraga Bagué. Merci beaucoup. Les lotes qui prennent la carte, il y a la cadre Nabiso, ma maman. Wapi ma carte. Voilà carte, il y a maman Coco Chomba. Ata soki akwe na mai carte za kaka carte na yo yangoyo mama pour les bénéficiaires l'obtention de ces cartes marque en signe d'alliance. Le parti a initié une nouvelle carte biométrique. Donc c'est la nouvelle technologie de communication. Ce qui fait que nous devons être dans l'air du temps, dans le temps, et cette carte permettra à identifier notre base, à avoir une base de données fiable. Dans son adresse, Henri Mova Sakani a invité les femmes cadres et militantes à soutenir le dialogue initié par le chef de l'État, engage des résolutions des crises politiques en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Processus électoral, les groupes d'envoyés internationaux pour la région des Grands Lacs préconisent l'enrôlement des nouveaux majeurs. Ces diplomates ont fait cette recommandation au sortir d'une audience avec Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Selon le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, rapport publié en novembre dernier après vérification du fichier électoral en République démocratique du Congo, il y a environ 7 millions de jeunes qui sont concernés par ces enrôlement, soit plus de 20% du corps électoral congolais. Rideau sur l'atelier de formation axé sur les questions électorales à Kinshasa. Pendant 3 jours, les professionnels des médias ont réappris les notions liées au cycle électoral, à l'éthique et à la déontologie journalistique. La formation organisée par l'ONG Journaliste pour les droits humains a été appuyée par l'ambassade du Canada. Un reportage signé Bienvenue Babwa et Doudou Kassouba. Un échantillon d'une quinzaine de médias servira à la promotion de la paix et de la démocratie dans les mois à venir. Le cycle électoral, les modes de scrutin et autres questions cruciales liées au scrutin de 2016 ont été largement abordées. Nous sommes dans le cycle électoral et cela nécessite à ce que les journalistes soient suffisamment outillés pour pouvoir affronter toutes les étapes et pour pouvoir assurer une meilleure couverture du processus électoral. Et c'est important également parce que aujourd'hui, la question électorale est une question qui intéresse toute la société congolaise en particulier. Et le processus a besoin d'un accompagnement solide et efficace. Et je pense que les journalistes sont les personnes les mieux placées pour assurer cet accompagnement. L'atelier de formation de journalistes des droits humains, axé sur la médiatisation des questions électorales, est une plateforme interactive. Les organisateurs ont poussé loin leurs réflexions. Nous espérons que les journalistes seront sur terrain, ils seront à mesure maintenant de réaliser quelques reportages sur les élections. Mais nous pensons que cette session a surtout permis aux participants
de se faire déjà une idée sur le forum national que nous allons organiser au mois de février. Et nous pensons que ça sera un moment enrichissant et ça peut permettre à ce que nous ayons un processus électoral crédible, apaisé, du moins si ça ne dépend que du travail des journalistes. Parce que là, les journalistes ont maintenant une idée générale sur les différents concepts électoraux, le processus électoral congolais et puis sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Les journalistes formés ont plaidé pour une nouvelle accréditation des médias à la CENI en vue d'une couverture efficiente des prochaines élections en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, nous sommes samedi. Certainement, vous vous préparez à aller dans une fête, dans les salons de coiffure. Les clients se bousculent parfois. Mais avec les coupures intempestives du courant ces derniers temps, les affaires tournent au ralenti pour certains coiffeurs. Malgré cela, les Kinois veulent toujours garder leur côté bon chic, bon genre. Un reportage de Rachel Kichita et d'Eric Ndongala. Hugues est gérant d'un salon de coiffure. Samedi, la clientèle se bouscule un tout petit peu. Depuis mon enfance, je me coiffais avec des poupées. Je m'entraînais, je coiffais les poupées. Et devenu grand, je me suis lancé dans la coiffure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour de chance. Le courant nous fait défaut. Et quand l'argent ne circule pas assez, nous souffrons. Les hommes et les femmes viennent ici. Les modèles sont choisis sur catalogue. Pendant cette période, les démons de la clientèle masculine sont portés sur les coupes américaines. Actuellement, ce sont les Bobby Brown et Bouki derrière modernisés. C'est ce que vous pouvez remarquer avec la coupe du client derrière moi. À chaque génération, sa mode, ses tendances et ses choix. C'est depuis vendredi que le corps de Claudien Likouli a été conduit en sa dernière demeure à nécropole entre terre et ciel, bien avant la mise en terre. Des hommages lui ont été rendus à la cité des anges, des hommages précédés d'une messe à la paroisse Sacré-Cœur. Rachel Kichita et Doudou Kassouba. C'est à 51 ans que la mort a eu raison de Claudien Likouli Lifoma, homme de paix, attentionné, modéré, aimable. Claudien avait tout pour faire le papa hors du commun, le mari exceptionnel, un frère ou un proche honnête et digne de confiance. Après une longue maladie, c'est le 8 novembre 2015 qu'il quitte la terre des hommes à Paris en France où il était admis pour des soins médicaux. Famille, amis et connaissances sont venus faire leurs adieux à celui qui les a marqués par son sens élevé d'écoute et de pardon. Député honoraire et autorité morale du mouvement pour la cohésion nationale, Claudien Likouli Lifoma restera gravé dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. Claudien, c'était un garçon formidable, un garçon humble. Je retiens de lui comment on a grandi. On s'est connus enfant, on a eu le temps de grandir ensemble, de se connaître adulte. Mais je garde de Claudien un souvenir d'un ami, un ami franc. Un papa qui nous rassemblait toujours et qui traitait tous les problèmes dans le calme. Ce fut vraiment un ami. Je garde en souvenir sa simplicité et sa sagesse. C'est un homme extrêmement modéré, qui n'allait pas aux extrêmes, très tolérant et qui aimait bien sa famille. Il y a quelques mois, il est venu chez moi accompagné de sa femme et de sa belle-mère. Et avant de passer à table, il m'a appelé de côté. Il m'a dit, papa,
Peut-être qu'un jour je ne serai plus là. Je compte sur vous pour mes enfants. Moi, je lui dis, arrête Claudie, tu ne seras plus là quoi, Titi. Nous sommes là. Oh. Dis non, je tenais quand même à vous le dire parce que je n'arrive pas chez vous tous les jours. Mais comme aujourd'hui j'ai eu cette possibilité, je vous les confie, je compte sur vous. Et ça m'est resté droit au cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à encadrer Marie-Ange du début à la fin. Il laisse une veuve et des enfants. Claudien Likouliali Foma repose désormais aux nécropoles entre terre et ciel dans la commune de Lantselé. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Sport à présent, le tout-puissant Mazembe fera son entrée à la Coupe du Monde ce dimanche. Le représentant de l'Afrique va se mesurer avec Sunfrise Hiroshima. Jeudi dernier, les champions du Japon avaient éliminé Oakland City sur le score de 2-0. En cas de succès, le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF va croiser River Plate d'Argentine. Sport encore, la CAF a procédé à Dakar au Sénégal au tirage au sort des préliminaires de la Ligue des champions. L'SV Club sera reçu par Mafunzo des Zanzibars. En cas de qualification, les Dauphins Noirs affronteront en 16e de finale les vainqueurs du match entre Mushudi Chief de Botswana et Ferroviero du Mozambique. Quant au tenant du titre, le tout-puissant Mazembe va s'expliquer au second tour au gagnant de la double confrontation entre Saint-Georges de l'Éthiopie et le champion des Seychelles. À la Coupe de la CAF, Don Bosco est exempté du tour préliminaire. Les Salésiens feront leur entrée en 16e de finale contre les vainqueurs de la double confrontation entre Défense de l'Éthiopie et Makassa de l'Égypte. Saint-Éloi Lupopo, de son côté, va se mesurer au premier tour avec un club du Kenya. Les matchs allés se joueront les week-ends du 12, 13 et 14 février et la manche retour se jouera dans 2 semaines au plus tard. Voilà, nous sommes avec vous, Antoine Hiverneau. Je rappelle que vous êtes attaché audiovisuel à l'ambassade de France, beaucoup plus de la région de l'Afrique centrale. Avec vous, nous allons parler de la technologie numérique terrestre. Est-ce que, en quoi cette technologie est-elle importante pour nous en République démocratique du Congo? Alors, c'est une technologie qui est très importante d'abord au niveau technique, puisque par rapport à la télévision analogique, la télévision numérique représente un gain au niveau de la couleur, au niveau du son, au niveau des possibilités techniques, pour que le téléspectateur ait plus de possibilités et soit plus content de regarder la télévision chez soi, et notamment avec des grands écrans. Voilà, mais ça, c'est le côté technique. La TNT, donc la télévision numérique terrestre, en fait, pourquoi elle peut arriver en République démocratique du Congo? Elle ne dépend pas simplement d'une décision du gouvernement du pays ici, elle ne dépend pas non plus du gouvernement en Afrique centrale, de toute façon, elle dépend du monde entier. Alors pourquoi elle dépend du monde entier? C'est parce qu'effectivement, tous les pays du monde sont rassemblés à Genève au sein de l'UIT, hein, qui est l'Organisation internationale des télécommunications, et cette Union internationale des communications, donc l'UIT, rassemble un représentant de tous les pays du monde, et depuis 2006, ils ont décidé que partout dans le monde, il fallait passer de la télévision analogique à la télévision numérique. Donc ce n'est pas une décision politique qui peut dépendre d'un gouvernement en Asie, en Europe, en Amérique ou ailleurs. Non, il s'agit de toute façon d'un mouvement mondial. Cette UIT, elle est sous l'égide des Nations Unies. Donc ce sont des décisions, vous voyez, tout à fait globales, tout à fait générales. Et elle a commencé en 2006 pour les pays plus tôt. Et puis elle va aller, on estime, jusqu'en 2017 ou 2020 dans les pays d'Afrique, là où effectivement elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Donc c'est un impératif, mais si la RDC refusait justement d'adhérer à cette technologie, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors la RDC, en fait, comme tous les pays du monde, ne peut pas refuser de passer à la technologie. La chose sur laquelle effectivement les gouvernements, parce que la RDC n'est pas le seul dans ce cas-là, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne sont pas encore passés complètement à la TNT. Hein. Donc si vous voulez, les accords internationaux font que l'ensemble des fréquences dans le monde entier sont partagées entre les pays. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, dans un pays aussi grand que la RDC, pourquoi être obligé de passer à la TNT? Alors, d'une part, il y a cet impératif technique, puisque c'est la possibilité pour tous les téléspectateurs d'accéder à des moyens qui sont supérieurs au niveau de la qualité. Pour les techniciens ou pour les journalistes, c'est la possibilité de travailler sur des
appareils numériques, qui sont en général plus pratiques, plus petits, moins lourds et souvent moins chers. Donc c'est aussi un gain de temps pour les journalistes et aussi pour les patrons de télévision. Et puis en même temps, il y a cette question des fréquences qu'il faut partager avec les pays du monde. L'UIT doit gérer l'ensemble des fréquences sur l'ensemble du monde. Et ici à Kinshasa, vous êtes en face d'une autre capitale qui s'appelle Brazzaville. Si jamais la RDC ne passait pas à la TNT, mais que Brazzaville passait avant vous, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certaines fréquences qui, à partir de Brazzaville, pourraient gêner en fait des télévisions qui continueraient à émettre en analogique. Donc à un moment donné, il faut bien que les gouvernements, de toute façon, se concertent. Hein, mais le cap va être pareil hein, pour des gens qui sont situés, par exemple, à la frontière de la Zambie. Il y a beaucoup de villes qui sont situées pas très loin de Lubumbashi, par exemple. Et s'il y a des émetteurs qui commencent à diffuser à partir de différentes fréquences qui peuvent être proches des fréquences actuelles, les téléspectateurs de Lubumbashi ou des autres villes à côté risqueraient de ne plus avoir leur programme quinoa, enfin leur programme congolais, pardon, pas du mot quinoa, voilà, alors qu'ils recevraient des programmes zambiens. Donc du coup, vous voyez qu'on comprend que la TNT, c'est un mouvement mondial. Tous les pays sont OK pour y aller. Maintenant, effectivement, il faut trouver l'élan, il faut trouver les possibilités, il faut trouver les juridictions, il faut trouver effectivement les opérateurs pour mettre en place cette TNT. Parce que la mise en place de la TNT ne se fait pas simplement entre une télévision et le téléspectateur. Hein, le schéma jusqu'ici était simple. Une télévision à un studio, comme ici nous sommes ensemble. Au-dessus ou pas très loin, il y a une antenne qui permet aux spectateurs de recevoir directement. Avec le schéma de la TNT, ça va être différent puisque la télévision, une fois qu'elle enregistre son signal, va le transmettre à un autre opérateur qui, lui, va agréger différents sons de différentes télévisions. Et sur une même fréquence, il va y avoir 7, 8, 9, jusqu'à 15 fréquences en même temps, 15 télévisions qui passent sur une seule fréquence. Donc on voit qu'effectivement, là, les métiers, en tout cas les spécificités techniques commencent à changer. Et c'est là où, évidemment, il faut que les gens puissent se parler, puissent se mettre ensemble autour d'une table et commencent à réfléchir. Alors, ici, au RDC, les choses sont déjà avancées puisqu'il y a un comité national pour la transition à la télévision numérique. Il a commencé à travailler. Et il y a eu un appel d'offres aussi pour le déploiement de la télévision. Et je pense que, bientôt, le gouvernement devra vous donner l'information pour le choix de l'opérateur qui a été fait pour le déploiement de la TNT. Oui, c'est vrai, le gouvernement a promis jusqu'au 25 décembre nous communiquer les différents endroits où seront distribuées ces antennes et quelle serait cette entreprise qui a été choisie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à la TNT, mais en même temps, ce passage de l'analogie à la TNT fait craindre certaines chaînes de télévision. On va disparaître, on parle les emplois, on perdra beaucoup d'emplois, parce qu'il faut, ce passage-là n'est pas si simple. Les désavantages, c'est quoi aussi? Vous nous avez seulement parlé des avantages. Oui, c'est vrai qu'effectivement, là, je vous ai montré les avantages qui peuvent être pour les téléspectateurs. Ils sont également, donc, pour des directeurs de télévision ou pour des journalistes qui vont travailler en intérieur ou à l'extérieur. Et puis, il y a d'autres avantages aussi pour les gouvernements des différents pays du monde, parce que ça permet de revoir la cartographie de toutes les télévisions et de voir un petit peu qui fait quoi dans quel endroit. Voilà, maintenant, des avantages. Il y a, effectivement, puisque je suis bien placé au niveau du visuel et que je suis depuis 4 ans dans votre pays, donc j'ai commencé à prendre beaucoup de contacts avec les télévisions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on voit apparaître des responsables de télévision qui s'inquiètent pour leur télévision. Mais la question, c'est que ici à Kinshasa notamment, il y a actuellement, d'après les estimations que l'on peut faire, il y a 63 chaînes qui émettent. 63 chaînes pour une capitale, certes, qui est très grande, en fait, c'est quand même beaucoup. Et le problème, c'est que certaines télévisions n'émettent pas forcément sur les fréquences qu'elles ont obtenues légalement. Voilà, donc certaines chaînes de télévision peuvent se dire, mais qu'est-ce qui va le devenir? Parce que est-ce que je vais garder la fréquence que j'ai eue avant ou est-ce que je vais avoir une autre? Non. De toute façon, la question des fréquences va être remise complètement à plat puisque les fréquences numériques sont différentes des fréquences analogiques. Il s'agit d'un autre champ, un autre spectre dans l'ensemble des fréquences. Et donc là, ça va être aux télévisions de se réorganiser elles-mêmes pour se dire quelle est mon offre au niveau de la télévision et qu'est-ce que je veux faire et surtout comment je discute avec les autorités pour mettre en place mon plan de développement. Donc il y aura carrément des télévisions, des chaînes qui vont disparaître. Non, les télévisions, à mon sens, mais moi je ne suis pas Congolais, donc je ne peux pas parler à la place des Congolais. Mais en tout cas, quand les gens viennent me demander effectivement conseil par rapport à ce qui s'est passé en France, en Europe, en Amérique ou en Asie, je leur dis non, c'est à chaque management de télévision de décider quel est le but de la chaîne de télévision qui est là, comment ils peuvent s'organiser et comment ils peuvent faire face à différents frais. Mais les frais de diffusion au bout d'un certain temps sont moindres en numérique qu'en analogique.
Maintenant, effectivement, la question, c'est qu'à un moment donné, il faut faire les deux. Il faut le temps que tout le monde soit capable de recevoir le signal numérique. Il y a un intermède dans lequel, effectivement, il faut émettre dans les deux signaux. Et c'est ça qui coûte cher. Alors, certaines personnes nous disent que la TNT est déjà dépassée au niveau de la France. Est-ce vrai? Non. Alors, la TNT, elle n'est pas dépassée. La TNT, hein, ce sont les trois lettres qui veut dire télévision numérique terrestre. Maintenant, après, quand on essaye d'examiner un petit peu les différentes spécificités, il y a différentes normes qui existent. Donc, en général, et dans pratiquement trois quarts des pays du monde, c'est la norme DVB-T2 qui a été choisie. Alors, je ne vais pas vous expliquer, effectivement, parce que je ne suis pas technicien, mais DVB-T2, ça veut dire, effectivement, en termes anglais, qu'est-ce que ça recouvre? C'est une technologie européenne, et cette technologie, elle a subi plusieurs transformations. Donc actuellement, nous sommes à la troisième transformation de cette spécificité technique. Ça permet effectivement d'accroître les champs des possibilités. C'est-à-dire que d'une part, il y a l'image et le son, et d'autre part, on peut associer d'autres signaux. C'est là où effectivement, il y a des spécificités qui permettent à des appareils de plus en plus petits d'avoir des gains par rapport aux téléspectateurs. Je donne un exemple. Hein, vous pourriez effectivement plus tard, avec un seul appareil de télévision, suivre évidemment votre chaîne préférée. Vous pouvez en même temps recevoir d'autres signaux que la télévision va vous donner pour enrichir, par exemple, un programme, pour enrichir un commentaire de télévision ou enrichir un journal de télévision. Vous pouvez effectivement faire d'autres informations que vous allez jouxter et en même temps, vous allez pouvoir suivre Internet. Voilà. Donc, ce sont des domaines, voyez, qui vont compléter tout ce que l'on va pouvoir faire bientôt avec un écran de télévision. Et donc, il ne s'agit pas de réduire en se disant qu'il y a une limitation. Mais au contraire, il y a un développement possible. Mais effectivement, à un moment donné, il faut passer le cap d'un investissement, et cet investissement, évidemment, il peut être pris d'une façon un peu différente suivant les choix des managers des différentes télévisions. Voilà, Antoine, je vais revenir tout à l'heure à vous après cette brève. 87 personnes, 79 rebelles et 8 soldats ont été tués pendant et après les attaques coordonnées des trois camps militaires au Burundi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratouza. Et il ajoute que 45 prisonniers et 97 armes ont été saisies. Antoine, vous êtes attaché audiovisuel à l'ambassade de France ici en République démocratique du Congo et vous occupez également de la culture. Nous avons assisté à plusieurs festivals qui ont été soutenus par l'ambassade de France. Est-ce que le cinéma est-il quand même porteur des chances ici au Congo démocratique? Ça a de l'avenir? Oui, bien sûr, le cinéma a vraiment de l'avenir. Hein. Il y a eu déjà des grands cinéastes congolais. Hein. On pense à Kangoura, par exemple, hein, avec La vie est belle, qui avait travaillé avec Benoît Lamy à l'époque. Bon, c'est vrai que ça retombe, on repense aux années 80-90. Hein. Ensuite, il y a eu des gens comme Baloufou également, il y a eu des gens comme Jumunga qui ont montré que le cinéma pouvait vraiment aller en dehors des frontières du Congo et porter haut les couleurs donc, du pays pour montrer qu'à Kinshasa, comme dans d'autres villes de la RDC, il y a vraiment des créateurs qui se battent avec leurs caméras, avec leurs enregistreurs, de façon à montrer les images de ce qui se passe ici, donc ici en RDC. Alors, au niveau de la fiction, il y a différents metteurs en scène, il y a différents réalisateurs. D'ailleurs, c'est jeudi prochain, jeudi 17, hein, j'invite tous les spectateurs de Numérique TV à venir à l'Institut français, puisqu'il va y avoir une grande soirée. Et Chopper Kabambi, qui est l'un des cinéastes dont je vais parler, voilà, qui vient de produire trois courts-métrages de fiction qui va nous montrer donc en grande première à l'Institut français, donc jeudi 17. Voilà, donc il y a des gens qui s'intéressent à la fiction, comme Chopper Kabambi, il y en a d'autres également. Et au niveau du documentaire, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieudo Amadi. Et Dieudo Amadi, avec ses deux premiers longs-métrages dans le domaine documentaire, a gagné de nombreux prix internationaux. Ça a été le cas avec son long-métrage qui s'appelle Atalaku, qui est sorti en 2013. Et puis il y a eu Examen d'État, qui est sorti ensuite l'année suivante en 2014, qui ont gagné des prix internationaux. Et Dieudo Amadi a été invité sur tous les continents. Et je dis bien sur tous les continents, même en Océanie. Hein, il a été invité en Nouvelle-Calédonie à montrer son film. C'était un film sur l'enseignement en RDC. Et vous voyez que ce n'est pas forcément évident d'intéresser des Japonais ou des Brésiliens. Mais voilà, mais lui, il l'a fait. Il est capable, avec ses documentaires, vous voyez, d'intéresser des gens vraiment partout. Et je crois qu'il a une fibre tout à fait particulière. Il est en train de préparer
un nouveau documentaire qui va sortir au mois de février. Il sera montré en première mondiale en Allemagne. Voilà, donc il y a vraiment des cinéastes dans le domaine du documentaire, dans le domaine de la fiction, mais également dans le domaine de l'animation. Il y a des gens comme Alain Palacou, comme Bruno Louya, comme Claude Bata. Voilà, ce sont des gens qui créent ici à Kinshasa. On ne les connaît pas beaucoup. À l'Institut français, évidemment, on essaye de les aider en montrant leurs œuvres quand elles sont prêtes avec notre grand écran. Et puis on espère aussi que les télévisions, évidemment, vont montrer aussi leurs œuvres parce qu'elles méritent aussi vraiment un coup de chapeau. L'attaché audiovisuel régional, la région Afrique centrale à l'ambassade de France en République démocratique du Congo, fait exactement quoi ? Alors, au niveau de la coopération donc audiovisuelle, ce qui regroupe l'audiovisuel, hein, on met en même temps le côté média, et donc c'est pour ça qu'on parle de télévision, parce que c'est un dossier effectivement que je suis plus particulièrement, la télévision, la radio, ça peut être aussi la presse écrite ou la presse en ligne, et puis l'autre grande partie de la coopération audiovisuelle, c'est le cinéma. Voilà, donc c'est pour ça qu'en même temps, on essaye d'aider des créateurs ici en RDC, et en même temps, on reçoit aussi des créateurs qui viennent de France, ou d'autres experts, donc qui viennent aider dans des formations aussi bien des journalistes que des créateurs dans le domaine du cinéma. Antoine Hiverneau, nous vous remercions. C'était un plaisir de vous avoir comme invité de ces journaux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle et technique qui ont travaillé main dans la main pour vous tenir informés. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, le lieutenant Patrice Tshisui Boana Empereur, décès survenu le samedi 5 décembre 2015 des suites d'une courte maladie à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo. Le professeur Mathias Nzanda Boana Kalemba et la famille Tumbalu Kengo annoncent aux amis et connaissances, et particulièrement aux ressortissants de la paroisse des Mikalaï Saint-Joseph, des Kambundi Wabakwa Tumba et des Chinyama Wabenakazadi, que la levée du corps est intervenue le samedi 12 décembre 2015. Le corps est exposé dans la salle Espace Union, 6 avenue Yumbo, en face de l'école Mafema et du supermarché Rachel à Lupen. L'enterrement interviendra ce dimanche 13 décembre 2015 au cimetière de Mbenseke. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu le lieutenant Patrice Tshisui Boana de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, le lieutenant Patrice Tshisui Boana Empereur, décès survenu le samedi 5 décembre 2015 des suites d'une courte maladie à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo. Le professeur Mathias Nzanda Boana Kalemba et la famille Tumbalu Kengo annoncent aux amis et connaissances, et particulièrement aux ressortissants de la paroisse des Mikalaï Saint-Joseph, des Kambundi Wabakwa Tumba et des Chinyama Wabenakazadi, que la levée du corps est intervenue le samedi 12 décembre 2015. Le corps est exposé dans la salle Espace Union, 6 avenue Yumbo, en face de l'école Mafema et du supermarché Rachel à Lupen. L'enterrement interviendra ce dimanche 13 décembre 2015 au cimetière de Mbenseke. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu le lieutenant Patrice Tshisui Boana de garder une pensée pieuse en sa mémoire.